Et yo mes petits frérots, bienvenue sur Xerox Games. Après avoir bien réfléchi les gars, je décide de porter mes couilles et de la faire cette vidéo, même en étant malade les gars, on est chaud. Donc en gros c'est la vidéo invocation Tenkaichi Budokai les gars, on va récupérer tout le bordel. On va voir ce que j'ai récupéré grâce au Tenkaichi. Ah ouais, mais du coup je vais pas savoir exactement tout ça. Déjà 2 DS, 3 DS encore. Je pense que je vais avoir mes DS qui vont bien monter. Ok, j'ai gagné 3 tickets en or de l'arc-enfant et 2 tickets SSR. Ça fait plaisir. Je suis à 224 DS, ça fait plaisir aussi. Allez les gars, on perd pas de temps. Après, il faut que j'aille prendre mes médicaments de drogué là. Non, je déconne. Parce que je suis malade. On va invoquer du coup. On a 13 tickets argent, tickets SSR garanti et 1 ticket SSR garanti ici. 22 là. Là, en fait, les deux portails par contre. J'ai pas tout, hein. Lui, genre lui je l'ai pas, lui non plus, mais il pue la merde en gros, hein, ce personnage, il pue vraiment la merde. Je sais pas trop en vrai ce que je veux, je sais que lui il peut être utile dans la team ressuscité. Donc les gars, on va voir un peu, on va invoquer, on verra bien ce qu'on a. Allez, on va partir sur ce portail là déjà, on perd pas de temps. Hein. Mais en gros, moi ce qui me ferait plaisir ce serait des SSR. La Bulma Lapin elle m'intéresse aussi. Allez, le jeu me douille pas, s'il te plaît. Je suis malade, respecte-moi. Alors, on va voir un Yajiro BLR, je pense. Ouah, Colonel Black, mon gars. Lui, du collector. Allez, go. Ne perds pas de temps. Que la vidéo risque d'être un peu longue. Ok, 2 capsules. Je sens que je vais me faire pas mal douiller. Hein. Sachez les gars que d'ici quelques mois, on aura un nouveau portail de Tenkaichi Budokai, un portail beaucoup mieux au long SR, mon gars. Un portail beaucoup mieux, beaucoup plus rentable. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais faire la pub pour une autre chaîne. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Boustache, je vous la mettrai en description au cas où. Le portail qu'il y aura, il sera largement mieux, largement plus rentable, les gars. C'est vraiment un peu une douille de le faire maintenant. Mais bon, je préfère le faire maintenant, moi, quand même. Et du coup, voilà, il y aura vraiment des SSR beaucoup mieux, beaucoup plus forts, parce que là, tous les SSR, ils puent la merde, franchement. Là, c'est un peu plus pour la collection. Mais pour l'instant, on se fait chier dessus. Ok, arc-en-ciel. Transforme. Ah, Lunch, elle est très forte. Pour une SSR, elle est très bien, franchement. Vous pouvez la garder. Bon, nous on veut du SSR là quand même. Allez, le jeu là. Même s'il pue la merde, j'en veux bien quoi. Oh là là, roi de chapa. Oh, c'est R flingué quoi. C'est même pas des R le truc. Roi de chapa quoi. Allez, et par contre, à chaque fois que j'invoque sur ce putain de portail, j'ai tout le temps que de la merde. Jamais j'arrive à avoir des SSR là-dessus. Allez, SSR. Ah putain. Allez, là j'y crois là. Oh putain. Elle est pas mal aussi. Elle est plutôt forte. Elle est plutôt forte. Il y a des SSR bien en fait dans ce portail. Les SSR ils sont nuls, mais les SSR ça passe. La Lunch niveau dégâts, c'est l'une des meilleures SR. Montez lui l'aspect, ça peut être utile. Par contre, si vous êtes free to play, vu qu'on a une box assez limitée, faites gaffe quoi. Et j'aurais fait des vidéos d'ici là, vous expliquant comment avoir de la place dans sa box, faire les bons choix et tout. Putain, j'en ai marre d'avoir la crève comme ça, d'avoir le nez bouché. Allez, un petit SSR là-haut, quand même. Ça va faire plus de 10 évocations. Ah, 3 chapas, mais lui, il me porte malheur jusqu'au bout, lui. Avec son poing sur le front, lui. Oh, les gars, attendez, je vais me moucher. Celle-là, je la sens bien. L'invocation où, en même temps, je me mouche. Oh là là, 4 capsules. Allez, ensemble. Ok. Oh, SSG1. Allez, bye bye, les gars.
Oh putain, non. Ah, mais je prends. Et je vais la monter en UR. Parce que son événement, elle, avec le lapin cacarouteur, je crois, il s'appelle comme ça. Donc je vais lui monter l'aspect, c'est pas mal. Excusez-moi. Je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment très mal. Allez, allez, il se transforme direct. Le jeu, il va me donner jusqu'au bout. Hein. Aucun nécessaire, il va me donner rien, que dalle. Allez, en tant que free-to-play, en plus, ça fait une éternité. J'ai pas invoqué. Il est bizarre ce Tenchinan. Il dirait pas le dans le Super Strike? Non, je crois pas, c'est lui. Eh, ça fait combien de mois j'ai pas vu Shenron, moi? Entre mes anciennes invocations sur l'ancienne chaîne où j'avais que de la merde à chaque fois, je me faisais douiller H24. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de bons trucs. Ah, Mutaito. Ouais, il bloque l'attaque SP. Lui, il peut être utile. Franchement, lui, il peut être utile. Mutaito. Tellement badass cet homme. Il n'y a plus que 3 là et après on attaque les SSR. Mais bon, je voudrais bien un petit SSR dans ce portail là quand même. J'en ai quasiment jamais eu. Genre le petit Son Goku Gori, je le veux bien. Voilà, Timozer. Oh non, mais t'es mort à Bactérian. Il est magique, lui. Il est magique. Cauchemar de toute enfance, ce type. Allez, mais non, le jeu, s'il te plaît. Pourrais me respecter quand même. Allez, c'est J3. Oh putain. Bon, désolé les gars si la vidéo est un peu mou. Je pense que vous savez que d'habitude je suis beaucoup plus énergique. Allez, dernière invocation là. Pour la last. Un petit nécessaire, s'il vous plaît, le jeu. Oh, ouf, une capsule. Et il me chie dessus jusqu'au bout le jeu, tout le temps. À chaque fois que j'invoque sur YouTube, il me chie dessus jusqu'au bout. Ah, Mutaito. Elle est belle la carte. Franchement, elle est stylée. Mais moi, je vais le dégager. Bon, allez, passons aux choses sérieuses là. Les SSR. Voilà. Je peux en évoquer pas mal, hein. Allez, go. Attends, qu'est-ce qui va m'intéresser là? Je sais qu'ils sont pas non plus ouf, franchement. Genre, il y en a un qui m'intéresse, je vous montre. Alors lui, il m'intéresse pas. Lui non plus, enfin, je crois il a un Dokkan plutôt bien. Donc écoutez, je le veux bien. Lui, les gars, franchement, quand vous le Dokkan en UR, il est très intéressant. En plus, il va dans la team, je crois que c'est la team Ressuscité. Attends, je réfléchis. Non, c'est pas la team Ressuscité, je dis de la merde. Mais il est très bien et il a une chance sur deux d'étourdir quand il est éveil Dokkan. Donc très intéressant. Lui, je le reveux bien pour lui monter là. Non, je veux pas. Je veux pas. Allez, je veux bien. C'est toujours ça, écoute. Hein. Non, je veux pas. À skip, on a 50% de chance d'avoir des SSR du portail et 50% hors portail. Et hors portail, il y en a des biens. Donc moi, je veux ce hors portail, en fait. Non, après, c'est pas ouf, hein, franchement. Attends, lui, il avait quoi? Attaque plus que... Ah ouais, c'est de la grosse merde. Ok, attention, tous les alliés. Je sais pas, c'est original, c'est pas mal. Bon, écoutez, on va voir, on va invoquer, on verra bien ce qui arrive. Moi, j'espère que je vais en avoir hors portail ou le Thalès vert. Tech. Allez, le jeu. Là, tu peux pas me chier dessus, là, c'est inévitable. C'est SSR garanti. Allez, du lourd, s'il te plaît. Ça se gère. Oups là, bon, bye bye là. Non? Bye bye. Yeah, ça fait longtemps, j'ai pas vu de bye bye. Ça fait plaisir. Ah mais t'es, c'est celui que j'ai vu tout à l'heure. Qui donnait... Bon écoute, on va voir ce qu'on va faire de lui. Hein. Excusez-moi. On va voir ce qu'on va faire de lui. Attaque plus 15% sur tous les alliés. C'est pas ouf. Alors attendez, je vais stopper. Voilà les gars, comme vous le savez, j'ai très peu de place sur mon téléphone. Il a fallu que je mette sur la carte SD et tout. Donc en même temps, j'ai réfléchi, mais genre... Attaque plus 15% sur tous les alliés, c'est pas mal. Mais genre, ça doit être que sur les 3 où lui, il est sur le tour, tu vois. Et de toute façon, vu ses stats et tout, lui, tu vas pas le mettre dans une team arc-en-ciel, quoi. C'est dans une team tech. Et t'as des supports tech qui font plus 25% pour tous, attaque et défense. Donc en vrai, il pue la merde.
Je sais pas ce que je vais en faire, mais je risque de le dégager. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Encore deux invocations. Allez, un bon truc, là, s'il vous plaît. Ou un Thales. Un Thales Steak ou un bon truc. Oh, Shenron. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de Shenron. Allez, Arc-en-Ciel, ça a emporté chance. Ça va être un bon truc, là, je le sens. Là, c'est sûr, c'est un bon truc. Allez. Pas de SSJ3. On y croit. Oh là là, non. Il est du portail, je l'ai vu, lui. Il fait quoi, déjà? Dégâts colossaux. Ok, c'est intéressant. On peut rarement étourdir l'ennemi. Attends, voyons voir un peu. Peut-être qu'il est pas si dégueu. Ki plus 2 et attaque plus 70% si PV à 50% ou plus. Ah, ben ça passe. Il a vite ses époustouflantes. Ça passe. On va voir ce qu'on va faire de lui. Je pense pas que je vais le jeter. On va voir. Mais ça passe, franchement. En plus, c'est un Guan ultime. Peut-être que je peux lui monter l'aspect d'un autre avec lui. On va voir. En tout cas, il aura son utilité. Allez, dernière invocation. 2-3 capsules. Allez, là, pour la last. Un bon, là, pour la last. Le Talestek ou du lourd hors portail. Il s'agit de... Pas plus. On va voir. Oh non, de nouveau. Le Goku dégueulasse. Mais lui, rien qu'à la carte, on voit qu'il était là... Avant même que Dokkan existe, il était déjà là. La carte, elle était déjà prête, mon gars. Bon, mais c'est dommage. C'est pas ouf, tout ça. Bon, voilà, les gars. On a eu un peu de la merde, quand même. Je suis un peu déçu. Je vais dégager pas mal de trucs, là. Genre, les SR, là, tous les SR, à part elle, je vais les dégager. Bon, j'espère, les gars, la vidéo vous aura plu. Soutenez-moi, les gars. Genre, à chaque pouce bleu, ma maladie disparaît de plus en plus. À chaque abonné, ça fait un Doliprane en moins à prendre. Alors les gars, soutenez-moi, abonnez-vous, likez les gars. Là, la prochaine vidéo, je serai plus malade les gars. Allez, en tout cas, kiffez la vie, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et re les gars, j'avais oublié un petit truc. Je vous ai pas dit combien tième j'ai fini. Alors les gars, malgré tout, malgré que je sois free player, que j'ai eu du mal, qu'il y avait le lycée entre temps et tout, j'ai quand même fini 84 millième. Franchement, c'est respectable pour un free player qui n'est pas mis de DS dans la barre d'ACT, qui n'est pas pu farmer H24. J'ai quand même fait de mon mieux, j'ai pas mal farmé. J'ai fini 84 millième de 182. Au niveau des récompenses, quand même, vous voyez que j'ai enchaîné combien de victoires sans perdre? J'en ai enchaîné 10, même peut-être 12, un truc comme ça. J'en avais enchaîné un peu plus que 10. Et j'ai perdu dégueulassement alors que j'aurais pu avoir 5 DS de plus. Mais voilà, c'est les choses qui arrivent. Dans le local, j'ai fini combien? Eh bien, attends, comment je peux savoir ça déjà? Position. Dans le local, j'étais 26e. C'est respectable aussi. 26e dans le local et du coup, en général, 84 millième. Franchement, je pense que j'ai bien joué. C'est même peut-être le Tenkashi Budokai où je finis à la meilleure place. Donc, je suis plutôt fier de moi, les gars. Allez, voilà. On passe à la vidéo invocation, les gars. Ou je sais pas si elle sera déjà passée parce que je vais rajouter ça au montage.